Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous sommes très très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran en compagnie des programmes d'Africa 24. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un homme politique. Il est du Gabon, il est vice-président du parti Union et Solidarité. Il est membre de la coalition pour la Nouvelle République et président du mouvement Stop Pillage. Monsieur Paul Nicolas Nguema est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La crise post-électorale qui sévit au Gabon ne faiblit pas. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cette crise post-électorale? Eh bien, nous pouvons constater qu'effectivement la crise ne faiblit pas et j'aurais même tendance à dire qu'elle aura tendance à s'amplifier vu qu'il n'y a aucun contact entre le pouvoir en place et l'opposition véritable. Aujourd'hui, l'opposition a des positions fermes que le pouvoir en place ne prend pas en considération de par les différentes actions qu'il mène à l'heure actuelle. Mais vous parlez de manque de contact, est-ce que ce n'est pas l'opposition qui n'accepte pas la main tendue du pouvoir en place? Parce qu'il y a eu un certain nombre d'actions quand même de la part du pouvoir en place, mais on constate que l'opposition ne veut rien céder. Non, nous ne pouvons pas accepter de discuter dans cet état de fait. Aujourd'hui, nous réclamons la vérité des urnes du 31 août 2016. Nous n'allons pas discuter avec des gens que nous estimons être des usurpateurs. Donc la première négociation qui pourrait se faire irait dans le sens de la reconnaissance du véritable résultat de l'élection présidentielle qui met le président Jinping comme président de la République. Mais vous avez pu faire beaucoup d'actions par rapport à cela, mais on n'a pas vu d'avancée concrète. En lieu et place, le pouvoir vous a proposé quand même un dialogue national. Pourquoi est-ce que vous avez refusé quand même ce geste que je qualifie de m'étendu quand même, non? Voyez-vous, la première crédibilité des acteurs politiques, c'est leur légitimité. Nous estimons que le pouvoir en place n'est pas légitime. Ce n'est pas à eux d'imposer un dialogue et nous avons vu les résultats de ce dialogue. Il y a eu plus de 10 milliards qui ont été dépensés pour rien du tout. Aujourd'hui, ce dialogue a accouché d'une souris. Nous voyons les résultats avec la révision constitutionnelle qui a pris le pas sur la réalité, car cette révision constitutionnelle est tout simplement la consécration de la monarchisation d'Ali Bongo. C'est une constitution qui est taillée sur mesure pour lui. Elle est une constitution on qui... aura le temps de revenir à la constitution, mais vous parlez de légitimité. Qu'est-ce qui consacre la légitimité dans un pays normalement? Il y a des institutions en bonne et due forme qui consacrent la légitimité. Donc, qu'est-ce que l'organisation qui consacre la légitimité au Gabon? La légitimité au Gabon, pour moi, elle est consacrée par le peuple qui est souverain. Les institutions qui la représentent sont effectivement la Cour constitutionnelle, la CENAP, mais aujourd'hui, nous affirmons haut et fort que le résultat proclamé par la Cour constitutionnelle n'est pas celui qui est représentatif de la vérité des urnes. Oui, mais c'est ce que vous avez dit depuis la nuit des temps. Et pourtant, on est passé par plusieurs moyens pour vous dire qu'on n'a pas autre moyen de pouvoir dire que la Cour constitutionnelle n'a pas la légitimité de pouvoir proclamer les résultats, ou les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle sont sans recours. Enfin, ou bien même s'ils avaient formé des recours, on a fini par dire que c'est M. Ali Bongo qui a gagné les élections. Il va falloir qu'on tourne cette page et qu'on se tourne résolument vers la constitution du Gabon, non? Non, nous ne tournerons pas cette page-là. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec des institutions internationales. Nous attendons que celles-ci réagissent, notamment l'Union européenne, notamment l'ONU, notamment la CPI, sur des actions que nous avons entreprises. Nous attendons de voir ce que ça donnera. Mais vous risquez d'attendre longtemps, parce que M. Ali Bongo risque de finir quand même complètement le mandat. Est-ce que vous ne ratez pas une occasion? Non, aujourd'hui nous sommes à plus de 500 jours de présidence d'Ali Bongo. Nous ne constatons aucun changement, aucune mise en pratique de son soi-disant programme. Aujourd'hui, il ne gère que le quotidien administratif de l'État. Il n'y a rien de concret qui se fait. J'ai envie de dire qu'il n'y a personne dans l'avion. Oui, mais rien de concret ne se fait, mais c'est Ali Bongo qui est le président aujourd'hui du Gabon. Il faut le reconnaître à un moment donné. Oui, de façon administrative. Oui, mais quel signe vous attendez d'autre alors quand vous dites que vous ne voyez rien de concret aujourd'hui? Et à part contester sa souveraineté, sa légitimité, quel autre signe que vous attendez? Écoutez, la contestation, elle se fait au quotidien. Nous constatons aujourd'hui que la multiplication des grèves sont lancées par un appel du président Jinping à suivre ses directives. Et nous constatons que le pays est réellement bloqué. Donc la désobéissance civile, c'est un moyen d'action pour vous alors? Mais écoutez, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas d'armes. Donc effectivement, nous prenons la... Mais à travers la grève et la démobilisation, vous faites mal à qui concrètement?
Ben, nous ne cherchons pas à faire mal à l'économie de notre pays, nous cherchons à faire mal aux institutions illégitimes en place. Mais en fin de compte, apparemment, c'est au pays ou au Gabonais que vous faites mal. Non, la première personne qui leur fait mal, c'est la personne qui usurpe leur bulletin de vote pour se proclamer vainqueur. Nous ne faisons qu'utiliser les mêmes moyens. C'est tout. Parce que la Constitution a prévu quand même des moyens de recours au moment où on n'est pas d'accord avec la légitimité, avec les résultats qu'on a proclamés à l'issue d'une élection. Pourquoi vous ne vous en tenez pas rien qu'à cela? Parce qu'il fallait contester les institutions bien avant. Mais on ne laisse pas les institutions en place, organiser les élections et après on dit non, on ne reconnaît pas ce qu'ils sont en train de dire. Écoutez, un peu comme si n'importe qui peut se lever aujourd'hui et contester les résultats. Hein. Personnellement, moi j'ai toujours contesté la crédibilité de la présidente de la Cour constitutionnelle. J'estime que vu ses liens de parenté avec le président de la République, il y a un problème, elle ne peut pas être jugée partie. Donc sa légitimité, forcément, je la contesterai toujours. La coalition a décidé qu'on aille à ces élections, on y a été, au bout d'un moment, on a vu que le processus électoral se passait bien, que le pouvoir en place n'a pas pu réaliser sa fraude dans les urnes, que tout s'est passé en amont au niveau de la Cour constitutionnelle. Hélas, nous avons cru que le pouvoir en place allait changer, mais non, ils n'ont pas changé. Personnellement, je donne la responsabilité à la présidente de la Cour constitutionnelle de cet état de fait. Mais à l'arrivée, est-ce que vous n'avez pas des regrets d'être allé à cette élection? Non, non, je pense que toute élection est bonne à prendre pour moi. Peu importe les conditions, oui. La marche vers la démocratie veut que nous allions à chaque élection. Oui, mais il faut pouvoir se positionner entre boycotter une élection en disant que les institutions qui sont chargées de la superviser ne sont pas crédibles, plutôt que d'aller et après de contester la légitimité de celui qui a été élu. Écoutez, personne ne pouvait se dire qu'ils iraient aussi loin que ça. Les résultats étaient plus ou moins clairs. Nous avons 9 provinces au Gabon. Le pouvoir en place en a remporté 3, mais nous ne pouvions pas nous dire qu'ils iraient à ce niveau d'indécence dans la proclamation des résultats qu'ils ont osé proclamer dans la fameuse province du Haut-Ogooué avec un score stalinien de 99,93%. Mais depuis que vous avez commencé par contester les résultats de cette élection, vous avez mené beaucoup d'actions. On a parlé de la désobéissance civile tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine démobilisation, il y a beaucoup de grèves qui ne profitent pas vraiment ni à vous, ni à la population, ni à la population. On se demande, qu'est-ce que vous y gagnez concrètement? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise stratégie pour une situation quand même qui est bien claire, non? Non, je ne pense pas que les grèves aient commencé après l'élection. Les grèves avaient commencé depuis 2011, quand Ali Bongo a pris le pouvoir. Aujourd'hui, le véritable problème des grèves, c'est la gestion de la chose publique au Gabon. Nous avons une dette publique qui est passée de 1 000 milliards à 4 000 milliards en moins de 8 ans. Nous nous demandons où est passé tout cet argent. Nous avons un taux de chômage qui dépasse les 35% de la population. Nous avons plus de 95 000 foyers qui vivent avec moins de 2 700 francs CFA par jour. Nous avons 40% de la population qui a moins de 20 ans, mais pas une seule école n'est construite. Ce sont ça les véritables problèmes des Gabonais. Je ne pense pas que ce soit tant la désobéissance civile prônée par le président Ping qui nous emmène à cet état de fait. C'est l'incompétence de nos dirigeants qui nous emmène droit dans le mur. Effectivement, nous allons droit dans le mur car nous avons un taux d'endettement de plus de 65% du PIB. Ce sont ça les réalités du Gabon. Je le disais tout à l'heure, vous avez initié plusieurs actions. Une autre action que vous avez initiée récemment, c'est la plainte contre le président Ali Bongo pour haute trahison. Quelles sont les motivations de cette plainte-là? Les motivations sont toujours un souci de transparence, un souci de reconnaître le mal qui a été fait au peuple gabonais. Aujourd'hui, nous savons très bien que dans la nuit du 31 août, le QG du président Ping a été attaqué par l'armée qui a été détournée de son but premier, en l'occurrence défendre les populations. Donc nous estimons qu'il y a matière à porter plainte. Nous n'allons pas toujours porter plainte à l'étranger. Nous avons une juridiction compétente. Nous estimons que nous devions le faire au Gabon. Nous l'avons fait. Alors, il faut bien rappeler quand même les conditions dans lesquelles cette attaque-là a eu lieu, parce que les forces de sécurité qui sont chargées de faire régner l'ordre sont arrivées quelque part où certaines personnes se retrouvaient et ne devraient pas s'y retrouver, non? Écoutez, moi je me base tout simplement sur la loi. Aujourd'hui, la loi dit qu'un crime contre l'humanité est défini comme l'attaque d'une population ciblée et non armée pour des raisons ethniques, politiques ou religieuses de façon préméditée. Nous rentrons dans ce cas de figure bien spécifique lors de l'attaque du QG du président Ping qui était dans une concession privée. Donc, partant de ce postulat-là, je pense qu'il y a matière à poursuivre Ali Bongo pour crime contre l'humanité au Gabon.
Ils étaient dans un domicile privé, ils faisaient quoi? Disons la ils chose. Ils étaient dans un domicile privé avec leur leader politique des différents oui. partis de la coalition. Et à quelle heure de la journée? Ils ont commencé à être là à partir de 15h jusqu'à 23h minuit quand oui. cette attaque a été faite. Mais il n'y avait pas de couvre-feu. Il n'y avait pas de couvre-feu, mais dans le même temps, on n'était plus en période électorale, on n'était plus en campagne électorale. Ils faisaient quoi là concrètement? C'était le jour du résultat de la proclamation des résultats. Les partisans du président Ping, donc de toute la coalition, étaient au QG du président Ping en attendant la proclamation des résultats. La proclamation a eu lieu environ vers 15h et s'en est suivi ce qui s'en est suivi, des émeutes partout dans la ville, mais il y avait une partie des partisans de la coalition et pas que de Jean Ping qui se trouvait effectivement à ce QG-là. Je me suis un peu intéressé quand même aux éléments de preuve que vous avez avancés dans le document et je vois que vous avez produit, vous avez cité aussi un documentaire diffusé par la chaîne de télévision française France 2 en avril 2017. Est-ce que ces preuves-là ne sont pas minces parce qu'un document produit par un organe de presse ne fait pas nécessairement office de preuve? Alors écoutez, je me dis qu'aujourd'hui, partout dans le monde, un article de presse suffit à ouvrir une enquête. Nous avons l'exemple ici en France avec Mediapart. Lorsque Mediapart lance une information, c'est au niveau du parquet financier dans certains cas de prendre l'initiative de lancer une information pour vérifier. On l'a vu dans le cas de Jérôme Cahuzac, ici pour des détournements de fonds ou bien du blanchiment d'argent. Donc il n'en faut pas plus pour ouvrir une information. Mais concrètement, quelle suite vous envisagez par rapport à cette plainte-là? Parce qu'au Gabon, vous estimez que, bon, certaines institutions qui sont en place, vous n'en faites pas confiance, mais vous déposez une plainte. Oui. Et vous pensez qu'il y aura une issue favorable par rapport à cette plainte-là? Écoutez, moi je me dis que nous n'avons pas le choix que de marteler sur nos trois pouvoirs. Nous avons l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Le judiciaire, nous n'avons pas le choix que d'y mettre des plaintes, d'y déposer des plaintes lorsque l'obligation morale se fait ressentir. Aujourd'hui, il est de la responsabilité du pouvoir judiciaire de nous démontrer qu'il est totalement indépendant. C'est par ce genre d'action que le pouvoir judiciaire pourra le démontrer. Oui, mais il y a eu des actes par le passé. Aujourd'hui, par rapport à votre positionnement, est-ce que vous avez confiance tout au moins en cette institution judiciaire? Absolument pas. Je n'ai pas du tout confiance en cette institution. Et pourtant, vous allez devant cette institution-là pour déposer une plainte. Bien sûr, parce qu'il faut l'exposer. Il faut montrer aux yeux du monde le parti pris de ce pouvoir-là. De toute façon, ce n'est pas seulement contre Ali Bongo Ondimba que vous avez déposé une plainte. Vous avez également déposé une plainte contre la présidente de la Cour constitutionnelle. La plainte était relative à quel fait? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. En attendant, on va marquer une pause. Chers téléspectateurs, restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants.